des bolides qui vont se positionner sur la grille de départ et qui surveillera avec attention la guillarde profile du départ. Cette voiture avait cassé son moteur à l'issue des essais libres hier et donc elle n'avait pas pris part à la première séance qualificative. Elle s'élancera donc normalement depuis le fond de cette grille de départ. Départ en tout, on vous le rappelle, départ endurance donc, les voitures qui continueront là-bas et partiront pour dedans. Défiler le peloton devant nous dans la zone F1 ici, ils vont aller s'immobiliser dans la zone endurance, particularité de ce circuit de Spa-Francorchamps avec ses deux pit lanes. Qui complique un peu notre travail hein, par moment, disons-le tout net, mais voilà, c'est comme ça.
Thank you.
Et donc, Boussel en perspective, en tout cas, je trouve que ça se fait par quelques minutes, pas d'heure évidemment. Par le leader et le chef de la 255 au commandement de